Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. On vient de regarder le verre des sables passer juste au-dessus de nous. On a eu du bol. Et ici, on a une zone pleine de ces bestioles de reliquats. Et apparemment, il y aurait un truc à trouver ici. Alors, on va passer au pouvoir tech. Clac, on dégaine. Clac, on sort le sniper. Et bim, mon gars. Ah ouais, t'as eu mal, hein, mon gars. Et toi, bim aussi. Ah, lui, il est pas mort. Zut. Bah si, tu vois, t'es mort. Aïe. Donc vous, ça pique. Aïe, 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 aïe. Ça s'est fait. Ça s'est fait aussi. J'ai l'impression que je suis bugué. Bah, mais il n'y aura rien fabriqué à faire quelque part encore. Mange ça! Mange ça! Voilà, il est mort. Et lui, il est mort. Ah bah voilà! C'est fait, c'est géré! Hop, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer, parce que vous me connaissez, hein, moi le loot, j'aime ça. Le loot, il n'y a que ça de vrai. D'ailleurs, je ne sais pas si on joue aux vidéos pour autre chose que pour looter. Voilà. Allez. Donc il n'y a rien d'autre, hein. Non, hein. Après ça c'est mort. Bon, juste récupérer le cadmium et les différentes reliquatouilles. Hop, voilà, qui est fait. On a tout récup, on est bon, on se barre d'ici. Non, s'il vous plaît. Ah, j'ai cru qu'il allait me tomber dessus. Ok, donc du coup, bah ça c'est fait, il nous reste plus qu'à aller nous occuper de la porte. Voilà. Parce que l'eau, c'est la vie. Allez. Passer en mode. Voilà. Possible d'extraire des ressources dans cette zone. Ouais, mais là, franchement, je suis en speed, donc si jamais elle s'affiche, on les prend, mais si elle s'affiche pas, hors la loi. Il doit y avoir des bandits dans le coin. On les laisse. Voilà, il doit y avoir des bandits dans le coin. C'est fort probable. Bonjour les bandits. Ok, on voit rien d'ici, et en plus de ça, on va mourir. Il me reste au soleil. Oh. Ça semble pas sur une bonne position.
Oh zut, je l'ai raté. Ah, mais pas une deuxième fois, mon gars. Comment on les a sneak ? Ne dépasse pas les limites acceptables. Oh, comment on les a sneak ? Trop fort. Système de survie à 100%. Zou. 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 Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Viens par ici. Il est parti loin là. Je suis pas sûr qu'il reviendra. Hein. C'était marrant. Ouais, c'était marrant, ouais. Il a volé loin. Hein. Hop, allez, on y va. Waouh, ils ont carrément caché leur... J'avais même pas fait gaffe en fait. Ok. On y va. Faites attention les enfants. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Ouais, en fait, c'est des tunnels où on peut passer par plusieurs pour arriver là, quoi. Mais c'est par là qu'on va, en fait. Et par ici, il y a quoi? Il n'y a pas du loot, des trucs comme ça. Waouh, waouh, waouh. Là-bas. Non. Non, il n'y a rien. Non, apparemment, il n'y a rien. Bon, bah, tant pis. Hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. On va pas... On va pas s'embêter plus avec ça, hein. Pas pourquoi ça va sentir le chaud. Je vous rejoins. Non, je peux pas te faire avancer. Je reviens tout de suite. D'accord. Donc c'est qu'il va y avoir une animation. Ok, ça va fight. Oh, toute cette eau cachée! Waouh! C'est lui qui crée l'eau? Non! Sérieux? Bien ce que les créateurs des reliquats comptent. Eh ben. Bah une piscine, visiblement. Vous me décevez, pionnier. Je vous pensais digne de confiance. Je vous accueille dans mon refuge et vous me remerciez en me pillant. Pardon ? Ah, j'ai rien pris pour le moment. Eh, j'ai rien pris. J'ai laissé chacune de vos précieuses gouttes d'eau à sa place. Vous pouvez les recompter si vous voulez. C'est amusant. Vous savez pourquoi je fais ça? Mon frère a essayé d'aider les vôtres quand ils sont arrivés. Ah là là. Les caméras de cinématique, elles sont vraiment atroces. Il leur a montré où trouver refuge. Il leur a permis de se servir librement dans nos réserves d'eau. Les mecs, depuis le 1, vous avez toujours pas appris. Je ferai pas la même erreur qu'Asgard. Vraiment désolé.
mais garder-le n'arrangera rien, mais je suis quand même vraiment désolé. C'est affreux. Toutes mes condoléances. Je me fiche de vos condoléances. Vous pouvez les garder. Je peux garder l'eau aussi. Les gens ne respectent personne, ni vous, ni moi. Mais ils respectent la planète. Tant que leur survie dépendra de moi, ils suivront mes règles. Ah. Vous voulez que je fasse comme si j'avais rien vu ? Exactement. Ne dites rien. Laissez-moi protéger ma vie et mon refuge comme je l'entends. Qu'est-ce que j'en tire ? Vous espérez que je vais le faire pour vos beaux yeux ? Le Nexus a besoin de ressources pour survivre, et l'Aden en regorge. Je partagerai ce que je trouve, à condition que l'Aden reste à moi. Ça fait longtemps que t'as trouvé cette eau ? Ça fait longtemps que vous connaissez cette source d'eau. On l'a trouvée il y a des années avec Asgard, lors d'une expédition minière. Les reliquats ont failli nous tuer. Je me suis tout de suite dit qu'il valait mieux garder le secret. Ça nous donnait un avantage. Ah, c'est pas bête. J'ai mis du temps à convaincre Asgard, mais il a fini par accepter l'idée, et il m'a promis de pas en parler. Dur. Dur, mais on peut faire du business, hein. Marché conclu. Je parlerai pas de ce que j'ai trouvé ici. Vous avez fait le bon choix. En échange, je partagerai toutes les ressources que je trouve avec vous. Voilà, moi ça me semble pas mal. Je vous laisserai tout ce que je peux dans mon bureau. Voyez ça comme un tribut. Ça me semble pas un mauvais business. Moitié de tout ce qu'elle trouve. Elle partage tout ce qu'elle trouve. Donc, par contre, ouais, c'est... Waouh. On peut se baigner ? Ah. Non, pas une bonne idée, on peut pas se baigner. Dommage. Et donc, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, des formes de vie... bah tiens, voilà, hein. Déjà, tu vas partager ça. Hein. Attention de pas tomber dans l'eau, parce que l'eau, ça moule. Et ça fait fondre le pionnier, visiblement. Bon, bah allez, on ressort d'ici. Voilà. Donc, bah ça, c'est fait. Et bien fait. On va aller récupérer notre véhicule. La chaleur s'intensifie. Ah ouais ? Ah ouais, carrément. D'accord, il était caché dans le décor. Mais nickel. Hop. Hop là. Et nous voilà à bord du Nomade. Ok. Bon, bah voyons voir. Qu'est-ce qui nous reste? Donc approvisionnement en eau, c'est fait. Parler à Anea au paradis. D'accord. La recherche de Lieta. Parler à Cole Dalton. Mais ça, il faut que je retourne sur... Angara, je crois. Colonisation d'Eladen. Recherche du propulseur volé, mais ça c'est fait. Retourner à Neotuchanka pour prévenir Morda. Ah bah oui, bah voilà, on pourrait faire ça, tiens. Vite fait. Allons à Neotuchanka. Allons à Neotuchanka. Ok. De galère, ces icônes qui se superposent. Oh là là, c'est une horreur. C'est une horreur, je vous raconte même pas. Non, je vous raconte même pas. Ok, Neotuchanka. Nous voilà. On peut pas rentrer dans la colonie en voiture. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Alors, où est-ce qu'elle est Il y a l'air d'y avoir un coffre dans le cours. Oh. Ce serait pas ça. Non. Ah là là. Ah, ça dépend vraiment des zones.
prendre de la fluorite. Non mais... Allons parler à Bavmorda. Pourquoi il fait ça? Je comprends pas. Non mais c'est bon. Mais... Arrête de faire ça. Non mais... Ah oui, c'est vrai qu'il faut passer par là. Voilà. Je comprends pas. Ça dit, il y a des endroits où ça le fait vraiment beaucoup et puis il y a des endroits où ça le fait moins. Voilà. Morda, au sujet de ta bombe, bah c'est foutu. J'ai foutu le bordel. J'ai tout niqué, Morda. 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 Bah Morda. Bonjour, Nexus. Vous êtes de retour? Ouais. En effet. Strox m'a dit que vous étiez allé récupérer le propulseur de mon vaisseau reliquat. C'est exact. Et que vous l'aviez vendu à des charognards qui en ont tiré un joli profit. Pour eux et pour vous. Ça c'est pas vrai. Il était plus là quand je suis arrivé. Impossible. J'avais des équipes sur place jour et nuit. Le clan Nakmor n'est qu'une bande d'amateurs. Ils ont perdu Tuchanka et maintenant Eleus. Notre colonie est condamnée parce que le chef suprême Morda a perdu le propulseur. Vous êtes un beau parleur, Jorgal Strux. Cette colonie serait rien sans moi. Si l'on doit avoir un chef suprême, il devrait faire partie de la plus ancienne lignée Krogan, le clan Yorgal. Vous allez voir, je vais récupérer le propulseur et rendre cette colonie si puissante que le Nexus s'inclinera devant nous. Vous pouvez toujours courir, c'est nous qui l'avons. Oh non, Drac. Je voulais voir combien de temps il tiendrait avant de se pendre. Comment ça, vous l'avez? Je vais laisser le pionnier répondre. Elle vous intéresse maintenant. C'est pas trop tôt. Bon, par où commencer? Tout est parti de Strux qui m'a contacté. C'est bon, j'en ai assez entendu. Ah bah non, j'ai pas commencé encore. Je suis impressionné, Strux. Vous êtes plus rusé que la plupart des membres du clan Jorgal. Plus intelligent, même. L'arrogance des Nakmor. Mon père s'est rabaissé à rejoindre votre clan parce qu'il admirait votre grand-père. On l'a traité de moins que rien. Mais maintenant, je vous ai battu, Morda. Et le clan Nakmor va le payer de son sang. Ça va fight! Vous avez mis la colonie en danger à cause d'une rancune vieille de 600 ans? Vous êtes vraiment un moins que rien, Jorgal Strux. Sortez et emmenez vos larbins avec vous. Ah bah non. Maintenant, où est le propulseur? Donnez-le-moi. Vous croyez que c'est aussi simple que ça? Il est incroyablement puissant. On va s'en servir pour alimenter la colonie. Ça va nous faire gagner des dizaines d'années. Il pourrait faire la même chose pour Prodromos. Si vous gardez ce propulseur, vous enterrez l'entente entre les Krogan et le Nexus pour toujours. Ah. Tu nous donnes quelque chose en échange. C'est la moindre des choses. Ah bah oui. Il faut J'suis dire d'accord. qu'on s'est fait tirer dessus. Beaucoup. Et si on jouait la colonie avec votre avant-poste? Donnez-nous le propulseur et on sera amis. Neo Tuchanka et le Nexus. Si vous le gardez, vous créerez voilà, une nation Krogan deal. Autonome. Pas trop mauvais. On ne respectera plus les lois du Nexus et on vous devra rien, pas même la paix. Historiquement, l'émancipation Krogan non maîtrisée a été la cause de nombreux désastres dont beaucoup ont souffert. Même les Krogan. Bah ouais. Alors? On leur rend. On va leur rendre le propulseur. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. De toute façon, nous, avant d'arriver sur la planète, on savait même pas qu'il était là, ce propulseur. Donc de toute façon... Je pense que le propulseur et si ça peut permettre de rallier Neo Tuchanka au Nexus... Non. Nous avons besoin qu'Eleus soit à nouveau départ. Non! Strux me l'a bien montré. Je suis le chef suprême Morda de la nouvelle nation Krogan, qui va prospérer malgré vous, Nexus. Mais... Vous verrez. Mais tu nous laisseras quand même traîner dans le coin. Bien sûr. Les Krogan sont justes. N'oubliez pas. On va contacter Addison pour lui annoncer la nouvelle. Bonne chance, chef Morda.
Ah bon, non, ouf. Pionnier, nous attendons toujours l'autorisation de déploiement. Il n'y en aura pas, Addison. Merde. Quoi ? Profitez-en au moins pour chercher un des traceurs de Kennedy dans ce système. La colonie Krogan en aura peut-être attiré un. Qu'est-ce que... Mais... J'ai pas tout compris, là. Je leur ai pourtant donné le propulseur, on devait... Ouais, ça s'est fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai merdé? Voilà, je crois qu'on va recharger. Parce que je crois que j'ai fait une connerie. Oh, oh. Krogan exilé. Vous avez choisi de garder le propulseur. Mais non, mais c'est pas du tout qu'est-ce que je voulais faire, putain. Ok. Non, non, moi je voulais leur rendre le moteur. Je voulais pas le garder, le propulseur. Ah, oh, oh, screw you. Ah, voilà. La trahison de Strux. Ok, donc c'est où? C'est où? Morda, Morda. Ah. Pourquoi il ne me montre pas? Hein? Ben. Ah mais non, d'accord. Okay. Celle-ci plutôt. Du coup. Voir, ça va être la même. Faut que j'en cherche celle d'avant. Le travail, docteur Rocky. Non, c'est bon. Ouf. Ouais, parce que là, j'ai fait la boulette, là. Là, j'ai fait la boulette, là. Moi, je veux que la paix règne entre le Nexus et les Krogan, pas le contraire. Voilà. On avait dit on fait la paix avec les Krogan une bonne fois pour toutes. Bon sang. Non mais Ben alors. Voilà. Salut. Bonjour Nexus. Vous êtes de retour? Ouais carrément. En effet. Strux m'a dit que vous étiez allé récupérer le propulseur de mon vaisseau Reliquat. C'est exact. Et que vous l'aviez vendu à des charognards qui en ont tiré un joli profit. Pour eux et pour vous. Demandez à Strux. C'est Strux que vous devriez interroger. Ne vous mêlez pas des affaires Krogan, Nexus. J'interroge qui je veux. C'est une habitude chez les Krogan de pas écouter ce qu'on vous dit. Attendez un peu. Le clan Nakmor n'est qu'une bande d'amateurs. Ils ont perdu tout Chanka et maintenant ah, bah voilà. Notre colonie est condamnée parce que le chef suprême Morda a perdu le propulseur. Ouais. Vous êtes un beau dans parleur, ton nez. Jorgal Strux. Cette colonie serait rien sans moi. Si l'on doit avoir un chef suprême, il devrait faire partie de la plus ancienne lignée Krogan, le clan Jorgal. Vous allez voir,
Je vais récupérer le propulseur et rendre cette colonie si puissante que le Nexus s'inclinera devant nous. Vous pouvez toujours courir, c'est nous qui l'avons. Oh non, Drac. Je voulais voir combien de temps il tiendrait avant de se prendre. Comment ça, vous l'avez ? Je vais laisser le pionnier répondre. Je l'ai pris, Astrux. Drax m'a menti pour que je vienne. Il a payé des charognards pour voler le propulseur, puis il les a tués. Je suis impressionné, Strux. Vous êtes plus rusé que la plupart des membres du clan Jorgal. Plus intelligent, même. Ok, ils vont se taper dessus. Voilà, on va revoir le combat. Mon père s'est rabaissé à rejoindre votre clan parce qu'il admirait votre grand-père. On l'a traité de... Really, do un ball. Et le clan Nakmor va le payer de son sang. Bim! Hop, voilà, le contre est bim, elle le fait tomber. Bravo. Vous avez mis la colonie en danger à cause d'une rancune vieille de 600 ans. C'est bon, on le sait. Vous êtes vraiment un moi. Maintenant, où est le propulseur? Donnez-le-moi. Vous croyez que c'est aussi simple que ça? Il est incroyablement puissant. On va s'en servir pour alimenter la colonie. Voilà, on y est. Ça va nous faire gagner des dizaines d'années. Il pourrait faire la même chose pour Prodromos. Si vous gardez ce propulseur, vous enterrez l'entente entre les Krogan et le Nexus pour toujours. Ouais, j'ai déjà partagé l'eau. Enfin, j'ai déjà accepté pour l'eau. Il faut dire qu'on s'est fait tirer dessus. Beaucoup. Et si on jouait notre colonie avec votre avant-poste? Donnez-nous le propulseur et on sera amis. Neo Tuchanka et le Nexus. Si vous le gardez, vous créerez une nation Krogan autonome. On respectera plus les lois du Nexus et on vous devra rien, pas même la paix. Historiquement, l'émancipation Krogan non maîtrisée a été la cause de nombreux désastres dont beaucoup ont souffert. Voilà aussi pourquoi il faut leur laisser. Alors ? Ah ouais, d'accord, j'ai fait garder le propulseur. Non, c'est donner le propulseur. D'accord, Morda, je veux bien collaborer. Vous pouvez avoir le propulseur reliquat. Et vous pouvez installer votre avant-poste ici. On sera tous amis et on s'épanouira ensemble. Pas vrai, Nexus? Ouais! Envoyez-nous les membres de votre avant-poste quand vous voudrez. Ils seront les bienvenus. C'est cool. Un grand jour, Morda. On va contacter Addison pour lui annoncer la nouvelle. Voilà, bonne nouvelle, Addison. Morda. Pionnier, ce site est idéal pour un avant-poste. Vous pouvez utiliser la balise pour l'établir. D'accord. Ce site est idéal, il faut que j'active la balise. Qui se trouve? Je sais pas. Du coup, eh ben, on a fait la paix avec les Krogan. Ah, oui, d'accord. Ils sont toujours aussi Krogan, par contre. Hein. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut leur passer par-dessus. Du coup... Bah, du coup, on va pas tarder à s'arrêter. Donc, mission terminée. Enfin, on a eu la fin qu'on voulait. Là, c'est le prêtre. Comment on sort de ce truc déjà? Modèle réduit. Oh! Oh, ça, je prends mon gars. Les modèles réduits. J'en veux. Ah, mais c'est par là. Voilà. Ok, donc on va aller chercher cette balise. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Voilà. On va se quitter là, hein, sous le soleil d'Eladen. Au-dessus de ce grand précipice. Voilà. Donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures dans la galaxie d'Andromède.